pral apprendre nous comment préparer yon page de facture. Par exemple, ou besoin on fait un pro format ou bien en facture, n'a montre comment préparer une simple. Dans l'autre vidéo, n'a montre comment que ou capable faire calcul. Mais dans vidéo ça, n'a montre comment que ou capable préparer yon page simple facture sur Word. Comment on fait ça? D'abord, n'a entré, nous pral mettre nos entreprises là, qui c'est cliquer sur insert, aller sur Word, Word.at et puis choisir yon nom. Lorsque vous finissez choisir modèle Word.at là, on marque nom entreprise là, My Dream Store. My Dream Store, ça c'est nom entreprise là. D'abord, nous mettons en l'air. Ça c'est nom entreprise là. Mais entreprise ça, il y a un logo. Nous allons ajouter logo à cliquer pour ajouter logo à son logo qui fait qu'on sort son logo que vous avez fait recherche là sur internet. Que ou bien l'était déjà sous entreprise là, il y a un propre logo. D'abord, qui sont fait pour prendre logo ça. Vous cliquez sur Insert ou aller sur Picture et puis n'allez logo a été déjà sur Desktop. N'allez sur Desktop, nous cliquez sur Logo et puis nous choisissons cliquer sur Insert. Maintenant, logo a pas à déplacer. Pour nous déplacer, nous cliquez sur Format, aller dans Wrapping Text et puis nous prenons In Front of Text. Nous habiller texte là. Pour nous ka mettre logo a. Ça c'est voilà. Voilà. OK. Nous choisi mettre logo nous là. Nous choisir voilà. Ça c'est logo a entreprise là. Nous a mettre adresse entreprise là, toute information que entreprise là. Et nous c'est nous ferme c'est 87 rue Victoire Delma 69. Ça c'est Victoire. Et puis n'a mettez phone entreprise là, phone entreprise là qui c'est 509 qui a marqué tel. Mettez parenthèse chiffre plus signe parenthèse là et puis 509. Pour mettre parenthèse ou presser chiffre plus signe pour mettre parenthèse à symbole là, puis on mettez numéro téléphone nan. OK. Ensuite après numéro téléphone nan, nous gain email entreprise là. D'abord qui c'est My Dream Store gmail.com. Nous sélectionner toutes. Nous sélectionner toutes et puis m'aller dans home, m'aller dans paragraphe, dans partie qui marqué interligne là, m'aller là me faire remove space after paragraph. Supprimer l'espace après le paragraphe. Ensuite, me font y avancer pour tout tomber même côté. Ça c'est adresse entreprise là, nom entreprise là. Maintenant, nous pral créer premier ça nous pral faire, nous pral créer partie pour client. D'abord, c'est nom du client. Nom du client.
Moi, presser Shift et puis m'aller sur underscore. Voilà. Sous clavier A. Ou bien, si vous n'avez pas fait, n'allez là, dans partie qui fait facile là, cliquez sur Insert ou allez dans Shapes, qui c'est forme en français, ou allez dans Line, et puis nous, Québec, clic et vous glissez. Maintenant, toute ligne doit être égale à 0, vous tapez 0, et puis Enter. Puisque nous besoin le bien, nous arranger et puis nous prenons couleur noire. Dans partie shape fill là. Voilà. Après nom client, c'est pas besoin adresse client ou bien téléphone client. Adresse client, même bagaille à faire, ou prend cliquer sur insert, aller sur shape et puis OK. Ou presser pour avancer, arranger pour gain adresse client. OK. Ligne égale à 0, s'il pas droite, tout ligne droite est égal à 0 et puis vous choisissez, mettez voilà. Ensuite, vous mettez téléphone client. Téléphone client. Tel. Téléphone client. OK, 509. OK. Enfin, même barre là encore, cliquez sur Insert, m'aller sur Shape, et puis m'aller là, prendre Line, et puis moi mettez égal à 0 et puis on choisit mettre couleur. Maintenant, nous passons dans l'étape côté nous pral mettre tableau. Pour mettre tableau, cliquez dans l'espace que vous voulez à ou faites double clic pour aller dans l'espace que vous voulez à. Maintenant, dans l'espace que vous voulez à, vous pral cliquer sur Insert ou pral tableau. Non tableau gain colonne. Gen ligne et colonne. Quantité, faut qu'on connaît combien de colonnes et combien de lignes. Là, on a besoin tableau pour quantité, prix et description, prix unité et prix total. D'abord, on aller là, on aller, il y a le nombre de lignes 1 2 3 4. On a besoin nombre de colonnes, c'est quantité colonnes que nous besoin. Voilà. Mais lorsque nous finis là, premier ça nous va le mettre, à mettre quantité. 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 Ensuite, au précis tab pour aller dans l'autre bois, nous mettez 10 description. Après description, vous mettez prix unitaire. Ensuite, nous tapez prix total. Voilà, il y a un tableau qui paraît une et ligne et gain une partie que nous pas besoin juste sélectionner partie me pas besoin me fait clic droit là-dedans et puis moi cliquer sur delete colonne moi delete li. Maintenant mets l'agile pour nous carrer exactement ça m'a fait mets l'agile maintenant on corriger photo faut toujours contrôler photo lorsque on travaille. Pour corriger language surtout si machine en français faut qu'on contrôle ça quantité prix unitaire OK. Maintenant nous mettez en gras allez là
bouillon, mettez en gras et baillons l'autre grosseur. Voilà. Nous choisissons tamioué. Voilà. Maintenant, gon grain bagaille qui était si que nous t'a trouvé que nombre de tableaux nous besoin dans tableau nombre de lignes et nombre de colonnes nous besoin li trop petit ou ap juste aller là ou presser tab tabla du moment à presser tab la bord la avancer la augmenter. Maintenant, si en cas où moi pas t'a besoin tout moi pral faire un autre technique pour que me ka montrer nous. D'abord, nous pral aller là, nous pral aller sur design. N'a sélectionné avant, faut que qui sur là dans tableau, n'aller dans design et puis n'aller dans eraser qui c'est gomme de la table et puis moi cliquer sur partie m'pas besoin yo. M'a besoin éliminer toute partie ça net. M'aller là, juste mettez qui sur la gomme nan sous eraser là sous côté me voulez delete là et puis moi juste delete li. Voilà. Moi quitter ça. Là m'a marqué c'est trois besoin, gain une qui manquait, m'a marqué total. M'a marqué sub sous total sub total sous total sous total ensuite marquer taxe m'aller là on troisième nous marquer total. Voilà, on clique sur eraser, moi effacer ça, on pas besoin. Voilà, ouais. On peut effacer tout ça, on pas besoin sans problème. Sans problème, parti ou pas besoin, ou taper sans problème. Juste cliquer devant et puis m'aller dans home. Et puis, moi, cliquer sur à droite. Voilà, m'effacer tout. Maintenant, est-ce que m'kabaye pas ça, design? Oui ou kabal design? Nous allons passer dans design, mais avant ça, et avant ça, nous mettez signature en bas. Signature. Signature ou du directeur ou n'importe, n'allez dans insert, n'allez dans shape, n'allez dans line et puis nous mettez une ligne. N'allez là est égal à 0 et puis nous pressez enter. Maintenant, c'est comme ça que nous sommes capables de préparer yon. Là, nous préparer yon facture ou bien yon proforma. Là, nous pour l'écrire dans mi-temps proforma en majuscule. Facture, par exemple, facture.